Salut à tous, aujourd'hui on est avec la dernière génération de Classe S. Alors la Classe S, c'est un symbole de la berline haut de gamme, de la berline de luxe. Le luxe, on aurait pu vous le montrer via plein de choses différentes, par exemple comme le cuir à profusion ou comme les équipements high-tech qui ne manquent pas dans cette voiture. Mais on a choisi de s'arrêter plutôt sur un truc qui pour nous symbolise très bien le luxe de cette voiture, c'est les sièges. Bien sûr, ils sont réglables dans tous les sens électriquement, y compris pour la longueur d'assise ou les appuis-têtes via des commandes à la fois jolies et on ne peut plus explicites. Et chauffant et ventilé, bien sûr. Très classique aussi, le soutien lombaire, mais on commence à entrer dans la rareté avec ce coussin au niveau des épaules, comme si le dossier était en deux parties, ou bien avec la possibilité de répartir le chauffage entre l'assise et le dossier. La fonction massage à elle seule vaut le détour, pas moins de 6 sortes de massages sont proposées, chacune réglable en intensité. Pour bien en bénéficier, les gros manteaux ou gros pulls sont évidemment déconseillés. Autre fonction présente depuis longtemps chez Mercedes, les sièges multicontours dynamiques. Si vous prenez un virage à droite, le côté gauche se gonfle et fournit un maintien latéral très agréable, un régal. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles aussi à l'arrière et ça c'est extrêmement rare, même sur une Bentley Mulsanne qui est le haut de gamme Bentley à 300 000 euros. Il faut piocher dans les options pour avoir le siège massant à l'arrière. Et alors, à l'arrière de cette Mercedes, il y a une petite surprise en plus, cette possibilité d'avoir un siège façon dentiste, mais sans la fraise, c'est plutôt du montant. On va plutôt dire un siège business class. Voilà, on a fait à peu près le tour de ces sièges qui sont évidemment en cuir de série et peuvent prendre la couleur de votre choix. À quand des fauteuils comme ça pour chez soi, dans le salon ? Mystère, en attendant, ils contribuent à eux seuls à faire de cette Classe S une exceptionnelle machine à voyager.